Oh! Comment ça se fait que c'est pas ça qui joue? Comment ça se fait? Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 23 février 2000. Oh, c'est vrai, c'est la fête de mon fils, 2022. Puis là, ce matin, c'est assez ordinaire. Là. Les marchés ont parti en hausse. Ils ont ouvert au prix de 3h15 hier. Puis je disais ça avant l'ouverture, attention, ça pourrait être juste des prises de profit. Puis c'est ça qui est arrivé. Tout a ouvert en hausse, puis tout s'est dégonflé. Regardez juste mon secteur spécialisé, là. Les autos électriques, les composantes électriques, les recreationnels, les airlines, le pot, tout a décroché. Fait que ça a monté avant l'ouverture des marchés, puis à l'ouverture des marchés, ça a été de la prise de profit partout. Fait qu'il n'y a rien qui se passe. Puis là, pour l'instant, le pétrole et le gaz étaient en hausse ce matin, mais ils ne font que descendre depuis 10h30. Les pétrolières aussi. L'or, l'argent, eux autres, ils ont jumpé à la hausse ce matin, puis ils ne continuent pas. Puis ceux qui se pensent que c'est un point d'entrée sur l'or, ben dites-vous, regarde, si Poutine, il paye sur le bras d'en avant avec ses tanks pour rentrer, là, parce que il entoure l'Ukraine de partout, ils disent sur trois côtés, mais c'est drôle, moi, quand je regarde, j'en vois quatre. Fait que... Parce qu'ils n'ont personne en Crimée, mais c'est ça le quatrième. Fait que ils sont du côté du Bélarus, ils sont du côté de la Russie. Ils sont même dans la mer Noire avec des sous-marins, des bateaux, des amphibies, des missiles, des soins médicaux, des grandes quantités de sang. Ils ont tout dit ça hier, là. C'est la même affaire. Il n'y a aucune nouvelle ce matin. Il n'y a pas de nouvelle à propos de la Russie ce matin. Mais tout est resté en position, il n'y a aucun retrait de rien, puis on se demande juste c'est quand que Poutine va peser sur le piton. Ben, piton, entendons-nous, là, qui va mettre ça sur le drive. Là. OK, on est rentré chez les pro-russes, on s'en va chercher Kiev, là. On s'attend à ça, tout le monde s'attend à ça, il n'y a plus rien. Les États-Unis ont fait leur menace hier, Joe Biden qui avait l'air d'un mort vivant,
Et qui a quand même fait un bon speech. Il est arrivé une heure et demie en retard sur son meeting. Il a été briefé 5 fois. Il était tellement fatigué à la fin de son 15 minutes. Là, il a fait comme le dernier meeting. Il a viré de bord, s'est enligné vers la porte. Il n'a pas répondu aux journalistes, puis rien. Alors, OK, go, on s'en va, Joe. Pauvre Joe, il est assez fatigué, là. 79-80 ans, là. C'est incroyable, ce qui vit. Je ne sais pas comment gérer la situation. Écoute, là. Puis Biden, pas Biden, mais Poutine, il en profite. Il sait très bien que personne n'est capable de rien faire contre lui. Il fait comme Hitler. Il prend possession de tous les pays alentours. Puis la Corée, c'est ses amis. La Chine, c'est ses amis. Puis tous les petits pays alentours, là, sont pas de taille. Puis là, ben, dans le moment, les Américains, puis l'OTAN, tout ce qu'ils font, c'est envoyer de l'armement à un pays que ses militaires sont même pas formés pour les essayer, ils savent même pas ce qu'est le piton pesé, là. Ça fait que, donc, c'est un gouffre, c'est un no-win situation. Poutine, il va avancer, moi je suis convaincu qu'il va avancer tôt ou tard, puis que personne ne va pas rien faire. D'ailleurs, les sanctions qu'il a annoncées, là, sur les proches, De Poutine, là, ça m'impressionne pas bien, bien. Je pense pas que Poutine, ça va lui faire peur. Fait que. Puis là, ben, l'Ukraine a rappelé tous ses ressortissants en Russie. OK, rentrez chez vous, là, restez pas là, là. Restez pas là, revenez là, chez vous. Ben, je suis pas sûr, moi. c'est peut-être moins dangereux de rester en Russie. Ouais. Mais il y en a des ressortissants ukrainiens à Montréal, en masse. Puis eux sont inquiets, ils ont des familles. Il y a quelqu'un qui nous a dit ce matin, mon voisin, c'est un Ukrainien, puis il y a de la famille en Ukraine. Puis ils ont raison d'être inquiets, là. Hey, si on était des Canadiens, puis les Russes étaient sur le bord de nous envahir au Canada, on serait inquiets, là. Tu sais, il y a pas de chance que ça arrive, là. Mais on serait inquiets. En tout cas, je sais pas si ça vous tente d'aller faire un tour en Ukraine, mais moi, j'irais pas. Acheter 1000 IMPP à New York. J'ai pas fait les nouvelles. Moi, y aller, là, mais moi, on dit qu'il y avait rien, c'est les nouvelles. Là. Des fois, je viens tanné de faire les nouvelles. Là, c'était toute de la cochonnerie. C'était toute de la boîte à matin. JP, j'ai acheté 1000 IMPP. Ça me paraît bizarre. Oh, OK. OK. Il est parti à 7$, c'est vrai, qu'il est parti à 7,17$, puis il s'est ramassé à 50 cents. Puis là, vous dites, j'en ai acheté 1000 à 1,26$. Mais là, il est à 1,26$. Compte tenu de la guerre en Russie, OK, vous l'avez acheté après 300% de profit. Juste aujourd'hui, il y a 60%, 57% de fait. Mais depuis son prix de 53 cents, là, à 1,26$, là, C'est 150 % d'augmentation. Fait que là, vous avez acheté ça à 1,26 000. Bon, ça fait 1 250. J'espère atteindre le sommet de 7,60. Bien là, vous avez des grandes ambitions, mon cher JP. Tabarouette, je sais pas, là. À regarder ça comme ça, moi, j'ai l'impression que vous avez 21, 22, 28, 31. Est-ce que je me trompe? Ben, vous êtes complètement à côté de la traque. Mais ce que je dis, puis là, vous fabulez total, là. Vous pensez que vous venez d'acheter ça après 150 % d'augmentation, mais là, vous pensez que ça s'en va ici? Bien là, vous rêvez en couleur, là, vous n'avez pas compris comment ça marche, la bourse. Ben, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, on ne peut pas empêcher un cerveau d'espérer, mais... C'est un stock qui a ouvert là, qui a planté tout le temps. Il y a un faux signal ici. Ouf! Si tu ne vendais pas le lendemain ici, tu étais mort. OK? Puis là, on est passé l'autre bord. C'est vrai qu'il y a des gros volumes, mais moi, je trouve que votre objectif, il est un peu farfelu. Excusez-moi. OK? Vous avez acheté ça à 1,26, là. Ben, vous avez intérêt à prendre des profits à 1,5 piastres. Vous avez intérêt à avoir une stratégie. Bon, c'est soit qu'il va y aller ou soit que vous allez perdre tout votre argent. Mais non, mais il faut que vous ayez une stratégie avec ça, mon cher JP. J'ai acheté. Puis là, je ne peux pas vous donner un cours d'analyse technique à accélérer en 45 secondes, là. J'ai acheté SRK ce matin sur Breakout 52,60. Puis excusez-moi de pas faire de la dentelle, mais je ne suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce que je crois que je devrais vous dire. Comme un père qui parle à ses enfants.
Ça, il tente pas toujours de lui faire la morale, mais s'il n'est pas lui, c'est pas lui. Si lui ne le fait pas, c'est lui qui va le faire. Bon, S-A-R-K, je suis bien sur le bon stock. Ce matin, breakout 52-60. Où c'est que vous avez vu ça, vous? Mon objectif, 55. Avant premier profit. Ben là, là, écoute, là, moi, j'ai pas vu le graphique intra-séance, OK? Je viens de voir le stock, je regarde ça. Tableau! OK! Vous avez fait un rêve? Vous avez eu un rêve prémonitoire ou quelque chose du genre? Tabarouette! Vous avez acheté ça direct sur le top de la résistance. 52,60. Ben, vous faites quand même 10 cents. Mais jamais, je recommanderais d'acheter ça. Jamais à ce point-là. C'est la place pour en vendre, c'est pas la place pour en acheter. Vous êtes à l'envers. Mon objectif, c'est 55. Mais dans vos rêves, il n'ira pas à 55 piastres. Pas tout de suite. Il va peut-être y aller à un moment donné. Mais il y a autant de chances de revenir, bien plus de chances de revenir par là que de continuer une tendance à 70 degrés, passer le point où les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois là. C'est comme, dans vos rêves, là, moi je fermerais ça, cette transaction-là, je m'excuse de vous dire ça, là, moi je fermerais ça, je prendrais un petit peu d'argent que là, je débarquerais de là. ARKK US Cathie Wood va manger ses bas avec son ETF. Connaît un nouveau bas. Ben oui, Cathie Wood, elle mange chez bas, certains. tout ce que. Elle est aussi poche que le gouvernement du Québec dans ses achats. Tout ce qu'elle achète, il plante. c'est pas grave, elle. Elle est payée en pourcentage. Mais non, mais les fonds, là, vous pensez qu'ils font l'argent comment? Sur le profit des stocks? Mais non, les fonds, ils prennent l'argent du monde pour agir avec. Puis ils chargent, le fonds s'auto-charge des frais. Le fonds, il fait tout le temps de l'argent, lui. Cathie Wood, là, inquiétez-vous pas, là, elle n'a pas arrêté de manger du filet mignon parce que le prix du bœuf a augmenté, là. Cathie Wood. Hein, Jocelyn, on a notre opinion sur Cathie Wood. Elle devrait aller dans le maquillage, elle, au lieu d'aller dans la bourse, là. J'ai remarqué plusieurs faux signaux ce matin dans les secteurs mines, uranium, lithium. Ben oui, c'est plein. C'est plein. C'était tous des faux signaux. Ben regarde, on va vous le montrer ici. Là, regarde, on m'a mélangé. Ça, il n'y avait pas de signal là-dedans. C'était tous des faux signaux. Je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant. Regarde, ça va planter après, puis ça va être des prises de profit. Regarde, tous les secteurs spécialisés sont en baisse. Oui, il revient à son bas de l'année. Les airlines, les récréationnels, tout ça est en correction. Tout le marché redescend. Regarde, c'est suicidaire d'acheter quelque chose présentement. On n'a pas d'idée où c'est que ça va aller. La Russie est full de lingots d'or, d'aucune sanction le dérangera. Ah, oh, ben ça, je ne peux pas confirmer ça, moi, Billy. Parce que moi, dans mon livre, moi, il n'y a plus aucun pays qui a des palettes de lingots d'or. À mon avis, il n'y a plus aucun pays qui a des palettes de lingots d'or. Ça fait 25 ans, 30 ans là, que c'est fini, cette histoire-là. Que tu peux imprimer autant d'argent que tu as de lingots d'or dans tes coffres. Ils l'ont tout vendu, les or. Il n'y a pas... Bon, peut-être les Arabes, là, peut-être les chics qui en ont encore, là, la majorité des pays dans le monde, ils ont tous liquidé leur lingots d'or. C'est même plus une valeur refuge. Le lingot d'or, ça sert à faire rouler l'économie. Puis ils ont vendu. Ils n'en ont plus. Ils n'ont plus de lingots d'or. En tout cas, qu'on vienne m'apprendre le contraire, mais ça fait longtemps que je me suis fait... dire, moi, justement, le contraire. Il n'y en a plus. Non, ça n'a pas rapport. La Russie, là, c'est pas l'or, c'est pas les lingots d'or qui portent. C'est que c'est une des trois plus grandes puissances au monde, puis ils sont tout seuls dans le coin, puis on est bien mal barrés pour aller les attaquer chez eux, là. Puis personne n'y en a l'intention, de toute façon. On espère juste que Poutine va reculer, puis Poutine, il sait qu'il n'y a pas personne qui va rien faire contre lui, puis à part les petites sanctions économiques, là, puis que Poutine, ce ne sera pas long qu'il va payer sur le gaz, puis il va envahir l'Ukraine, puis oubliez ça, vous ne l'empêcherez pas. Bien, ça va brasser quand ça va arriver. Puis le marché, on voit bien qu'il est célébré. Dans le moment, c'est super risqué d'acheter des titres à la hausse. D'avoir réduit ses positions, c'est logique. D'avoir quelques positions dans les FNB, bien, c'est logique. Mais de se mettre à acheter des stocks pour faire de l'argent à la hausse, comme on fait dans un bull market, là, c'est un peu suicidaire.
Un go à quel prix? HQD. Bon, ça, c'est du baissier. C'est le... HQD, c'est le SP500. C'est le Nasdaq... Non, c'est la Nasdaq 100. HQD, bien, regarde quand il va passer. Là, au-dessus de 7,5. La Chine a déclaré que les gestes des Américains à l'égard des Russes sont inacceptables et immorales. Mais voyons donc. Les Chinois, ils veulent envahir Taïwan puis tous les pays alentour pour devenir maîtres de la China Sea. Eux autres sont comme un phoque en Alaska. Xi, là, il se fait aller les flippers, là. Il est super content, lui, parce qu'il veut faire la même chose que la Russie. Fait que, il croise les bras puis il attend. ah ouais, go, Vladimir. Écoute, ils couchent pas ensemble, c'est juste, là. Mais non, mais il est content, lui. Mais là, c'est ça, la menace. Parce que si Poutine, il met le pied dans l'Ukraine, autre que dans ses supporters, puis dans le cahier des drapeaux, là, oupelaï, oubliez pas que la Chine est déjà prête, elle est déjà présente dans la China Sea, mais les Américains sont là, l'OTAN c'est là, il y a des dizaines de F-35 qui ont été téléportés là-bas, là, puis ils n'en parlent pas, c'est sûr que j'en viens pas, il n'y a personne qui en parle. Les cerveaux sont orientés vers ce qui se passe en Russie, mais n'oubliez pas ce qui se passe en Chine. Ils veulent envahir tous les pays, incluant Taïwan, pour prendre le contrôle de la South China Sea. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Ça fait que, regarde, scratch my back, I scratch yours. OK? Gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien. Mais là, c'est des amis, les Chinois. Puis attends un peu, la Corée du Nord n'a pas dit son mot encore. La Corée du Nord aussi, il fait... Il haïsse les Américains, puis l'OTAN, ça fait que... La Russie, elle se sent appuyée aussi par ces pays-là. Ils vont peser sur le gaz, ça ne sera pas bien long, ça va être égal. Protégez vos portefeuilles. Gardez pas toutes vos positions achetées sur le top. Arrêtez de dire, ça va attendre si ça remonte, mais ça se peut que vous attendiez longtemps, puis que ça peut que ça descende avant. Pensez à protéger un peu, là. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, là, mais, tu sais, regarde, faut penser à se protéger. Puis les FNB, bien, si, c'est un peu, ça en est une mesure de protection. Michel, j'ai hâte d'avoir ta formation au Caratat. J'ai perdu des milliers de dollars depuis le début 2022. Ben oui, mais c'est ça, Billy, mais vous ne m'avez sûrement pas écouté. On fait une petite pause. Voyons, j'ai la misère avec mon... Ah, comme ça. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex.
la nouvelle façon de créer le rendez-vous. D'accord. OK, bon, retour. J'étais en grosse discussion avec Jocelyn. Bon, là, il y a eu une cyberattaque sur les sites gouvernementaux en Ukraine, mais ils ne sont pas capables de prouver c'est que c'est les Russes qui auraient fait ça. De toute façon, sur le marché, je ne vois pas ça. Il n'y a rien qui a transpiré là-dedans. Il y a Billy qui dit « J'ai hâte d'avoir ta formation, je m'étais perdu des milliers de dollars en 2022, mais en tout cas, c'est pas moi qui t'ai fait perdre, parce que c'est pas moi qui t'ai fait acheter ça. » Mais oui, ma formation est prête, elle est finie. Je vais commencer probablement la semaine prochaine parce qu'il y a une portion gratuite, OK? La portion qui fait que pourquoi tu devrais acheter cette formation-là, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation-là, qu'est-ce qui vient avec la formation, le cours d'utilisation, parce que ça vient avec les logiciels, donc cours de formation de Traders Plus, cours de formation de Market Vision Plus, puis j'attends des changements d'un jour à l'autre qu'on a fait parce que on ne veut pas que mon département de services techniques soit overloadé. Fait que c'est toujours important de ceux qui ont déjà une version puis ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ne l'ont pas, là, ils partent à neuf exactement avec ce que moi j'ai dans mon ordi. Mais ceux qui l'ont depuis plusieurs années, ils ont fait beaucoup de modifications eux-mêmes dedans. Fait qu'il faut leur donner une chance de dire « je garde mes affaires ou je veux les nouvelles affaires » parce que sinon on va se faire inonder d'appels. Ça fait que c'est juste ça, les derniers détails. Mais en principe, là, ça va commencer la semaine prochaine. À deux heures par semaine, les premiers cours gratuits. Et après ça, ongoing, tout le temps. Je remercie encore Alain B. et Pierre QC, des vieux routiers, qui, moi, je n'étais plus capable de rien voir. Là, ça faisait tant de fois que je la revisais, là, c'est 27 pages. L'index a 27 pages. Ça fait qu'il y a 50 grands thèmes, il y a 200 sous-thèmes. Puis là, moi, toute la description des sous-thèmes, ça, vous ne l'aurez pas dans la portion gratuite. Si le monde va tout prendre ça pour du gratos, là. Non. Et vous allez avoir les grands thèmes. Puis après ça, à mesure que les vidéos vont sortir, les sous-thèmes vont être là. Vous allez l'avoir par écrit et par vidéo. Puis ça s'en vient. C'est le dernier cours de ma vie et c'est le meilleur cours de ma vie. Moi, je figure que j'ai mis plus que 100 heures dans ce cours-là à date. Puis selon les dires des vieux routiers qui ont vu le plan de cours, ils ont dit « ouais, c'est le cours, oui ». Puis ça s'en vient, découragez-vous pas, j'arrive, mais il faut que les affaires arrivent en même temps. Là. Fait que, des fois, c'est un petit peu compliqué, on peut tout créer un bordel, une tour de Babel, parce qu'on essaye de sortir 3-4 jours plus vite. Là. Plein de titres sur Disnat ne sont pas disponibles à découvert. Est-ce comme ça pour toutes les maisons de courtage? Oui. Malheureusement, Yvon, c'est ça. Ça dépend avec qui vous faites affaire. Ça dépend de quelle maison de courtage vous faites affaire, dans le fond, là, parce que chaque... Mais tu sais, il y a plusieurs affaires à propos de la vente de droits. Les banques ont un inventaire qu'on pourrait dire personnel. On l'inventaire à eux. Une banque, elle peut avoir un inventaire. Mais normalement, ils ont un pool, OK? Ils peuvent aller sur le marché, l'emprunter à quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que ça se fait pas nécessairement en pays de Python. Dans beaucoup de cas, il faut passer par un représentant et ça prend un peu plus de temps, puis ça coûte plus cher pour la transaction. C'est pas extrêmement simple la vente à découvert, excepté que moi, je peux pas être l'avocat du diable de toutes les maisons de courtage. Mais non, mais nos logiciels sont fournis à nos clients par la Banque nationale. Les clients de la Banque nationale, ils obtiennent nos produits quand ils font des trades. Mais moi,
je suis pas le porte-parole de la Banque TD, de la Banque Scotia, puis de Quest Trade, puis de toutes les autres, puis de Interactive Broker, puis toute la patente, là. Tu sais, je suis pas... pas journaliste d'enquête boursier, là. J'ai une job à faire, puis c'est compliqué. C'est un peu la mission de chaque personne de vérifier auprès de la, de la maison de courtage en disant oui, ça, 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 ça. Mais c'est vrai qu'au moment de vendre un titre à découvert, tu ne sais pas toujours si c'est possible ou pas. Bon, premièrement, les titres en bas de 4$, il n'y a personne qui veut vendre ça. Bon, il y en a, là, mais non, normalement. Puis de toute façon, ce n'est pas payant. OK? Ce qui est payant, ce n'est pas en pourcentage, c'est en dollars. Ça fait que c'est plus intéressant de vendre des titres à découvert qui valent 30$, 20$, 10$ que des titres qui valent 5$. OK? Ben écoute, un titre à découvert que tu vends 5$, tu peux juste faire 5$. Tandis qu'un titre à découvert qui vaut 40$, tu peux faire 40$. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est pas comme par en haut. C'est pas la même chose. Mais oui, c'est pas pareil partout. Mais normalement, les maisons de courtage ont toutes le même, ils ont toutes le même pool. Il faudrait faire une entrevue avec quelqu'un. Mais encore là, vous faites une entrevue avec quelqu'un qui vient d'une banque. Il va vous dire ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils vont s'avancer à dire ce que les autres peuvent faire ou pas? Ah, vous savez... Comme ils disent, tu sais, dans la religion, ils disaient, ah, parce qu'ils disaient, comment ça se fait que si Dieu existe, et comment ça se fait que ça se passe? Puis ils disaient, les voies du Seigneur sont impénétrables. Bien, moi, je vous dirais, les voies des banques sont impénétrables. écoute bien, il n'y a personne qui connaît tous les secrets profonds des banques. Mais ce qu'ils disent, ce qu'ils peuvent dire, bien, c'est dans leur site Internet. Donc, je vous invite à consulter le site Internet de votre banque, puis d'aller voir, puis après ça, de les appeler, puis de leur poser la question. Ben non, mais moi, là, ça m'intéresse, la vente de découvert, on arrive en bear market, là, c'est quoi je peux vendre? C'est quoi l'inventaire? C'est vers quoi je devrais me diriger? C'est à eux qu'il faut poser la question, et pas à moi, parce que moi, je ne peux pas répondre pour chacune des maisons de courtage. C'est soufflant de répondre à ça. Shopify, j'ai acheté ce matin 806. Je devrais vendre à combien? OK. Shop un matin? OK. Ouf. OK. Donc, là, vous avez acheté, mais vous n'avez pas posé de question avant d'acheter. Là, je vais vous poser une question pour vendre. Ça, c'est Shopify. À 806, il vaut 822. Mais vous comprenez? J'espère que vous comprenez que vous avez acheté sur le creux d'un cycle. Comme j'ai dit ce matin, en principe, ça devrait rebondir, parce que dans le creux des couloirs, on remonte vers le couloir. Je devrais vendre à combien? Bien, vous devriez dire, je devrais prendre mon premier profit à combien? OK? Bon, regardez bien, on va regarder le graphique en temps réel ici, puis on va analyser le risque. Ça, c'est la première chose à faire, analyser le risque. 2 minutes, c'est peut-être pas assez pour avoir assez de perspective. On va essayer en 10 minutes. Bon, 10 minutes, c'est un peu trop. 5 minutes. Bon. OK. Bon. Là, 1, 2, 3. On est sur le top de la résistance. Il vaut 28,22. Vous l'avez payé 806. Donc, 6, 10, ça fait dire 12, 14. Attends un peu. 806, 816, ça fait 10$. Puis 822, ça fait... 16$ sur 800$. OK? Mais, d'aller payer 806, il pourrait facilement revenir plus bas que le prix que vous avez payé, parce que c'est une phase neutre dans une tendance baissière. Le point idéal, ça aurait été plus 8,29, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans ce petit mouvement-là, ici, là. OK? Par contre, tout indique que, là, je vais le mettre avec un petit peu plus de données. Là, en 15 minutes, vous allez voir maintenant le potentiel. Fait qu'on est ici, la tendance est là, puis là, la prochaine résistance est ici, l'autre est là. Bon, c'est 950. Donc, la première, c'est 870, puis 950. Mais vous avez transigé ça dans ça. Bon,
S'il part par là, vous allez faire pas mal d'argent, mais s'il part par là, vous sortez à combien? Fait que le premier point à définir, c'est je sors à combien? Oups, c'est pas la bonne ligne. 5, comme ça. Je sors à combien? Bon, bien, regarde, à 795, c'est un méchant signal de vente. Vous avez payé 806. Puis là, il vaut 8, 20, mettons 26. Mettons 8, 22, mais 8, 26, ça ferait 20$. Ça fait 16$. Là, vous faites 16$. Bon, vous avez payé 106, 806, 800, 7,90. Si vous vendez la moitié maintenant, il vous coûte 7,90, puis le point de sortie est 7,95. Et bingo, on vient de gérer le risque. Là, on ne peut plus perdre de l'argent. Bien, jusqu'où va aller ma deuxième moitié? C'est ça, une stratégie boursière. La raison, c'est pas « Ouais, ça me tente d'acheter ça. Moi, je le vends combien, là? Jusqu'où il va aller, là? » Ben, il n'y a pas de stratégie là-dedans, là. C'est au pif, là. C'est n'importe quoi, là. OK? Au prix que vous l'avez là, 7,95, c'est un point de vente, mais il ne reste plus d'argent. Bon. Mais, non seulement il ne reste plus d'argent, vous êtes en perte. Mais si vous vendez la moitié là à 7,95, vous gardez le profit que vous avez fait. Puis s'il continue, vous faites encore de l'argent. C'est la stratégie qui compte. C'est pas rien à quel prix j'achète, puis à quel prix je vends. Oui, mais c'est toute la stratégie au complet. Quand tu achètes là, tu dois savoir, je l'achète là, je vends combien. Mais si tu sais pas combien que tu vends, pourquoi tu l'achètes? Si tu sais pas à quel prix tu sors si ça marche pas, pourquoi tu l'achètes? C'est n'importe quoi. C'est du trade au pif. Achetez où il a découvert 9,81, il semble partir pour la... Hein? Excusez. Un petit instant, là. Mon lait au chocolat, il est chaud, c'est dégueulasse. Je vais faire une petite pause, je vais aller me chercher un verre d'eau. Une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oui, rebonjour. Excusez, j'en prends. Je me demandais c'était quoi. J'entends un bruit. Bon, achat, oui, la découverte 9,80. OK, tout est dit à l'envers là-dedans, là. Yvon, achat, oui, la découverte. Bon, achat, oui, la découverte, ça ne marche pas, là. C'est comme, hey, ils sont beaux tes cheveux blancs-noirs, tu sais. C'est comme, ben, c'est un ou c'est l'autre, là. C'est vendu à découvert, je suppose. Mais d'un autre côté, vous dites, il semble parti pour la gloire. C'est incomprenable, Yvon, votre question. C'est incomprenable, là. Tout est dit à l'envers dans votre affaire, là. Je sais pas, là, vous connaissez pas le jargon, peut-être, là. Mais moi, j'arrive pas à comprendre votre question. Elle n'est pas bien longue, là. Mais regarde, le pote, il descend, puis j'ai pas arrêté de dire au monde de... C'est quoi cette affaire-là? Bon, c'est un bêta pro qui a consolidé. Bon, ça, c'est pas bon. Puis oui, regarde, il est revenu sur son bas, mais il arrive sur son bas. Si vous venez de vendre ça à découvert à 8, à 9,81, il vaut 8,97, vous faites 80 cents, votre 10 %. Si vous l'avez vendu à découvert à 9,81, là, débarrassez-vous de 50-75 % de ça, parce qu'elle arrive sur le support, puis il va vous rebondir d'en face. OK? Si vous l'avez acheté à 9,81, je ne comprends pas pourquoi vous l'avez acheté, mais je ne comprends pas votre question. M'excuse, Yvon, là, je perds mon temps là, à répondre à une question que je ne suis pas capable de comprendre parce que tout est tout croche dans votre question, je ne la comprends pas. Majorité des banques centrales ont fait des achats d'or à un nouveau record depuis 2-3 ans. De l'or physique, bon, ça reste à prouver ça.
Je crois que Cathie Wood a de l'argent acheté par les mais c'est pas son argent. C'est pas son argent, Stéphane, c'est votre argent. T'as un fonds, elle gère un fonds, elle gère l'argent du monde qui l'ont mis dedans. MFC Toronto, j'ai une petite position, le point de rentrée où j'attends. Non, non, j'ai oublié ça, les services financiers à Toronto, là, n'importe quel. MFC, c'est Manulife, là. MFC, c'est Manulife. Regarde, on est encore en correction, on ne sait pas encore si c'est fini. On arrive à la ligne de tendance, puis regarde, tous les stocks du service financier sont de même. Regarde, l'indice est de même. On s'en va vers la tendance, on n'est pas rendu. Puis regarde, on va mettre ça de même, tu sais. Mettons, on va mettre ça en 15 minutes. OK? Fait, regardez, il n'y a pas de tendance de baissière inversée ici, là. Ni sur l'indice, ni sur TD, ni sur BNS, ni sur ENA, ni sur Royal. Non, mais le marché attend de voir ce qui va se passer. Tout le marché est de même. Là, on a rejoint des creux sur plusieurs secteurs. Ça pourrait être un point d'entrée sur support. Oui, mais on est sur le bord d'un bear market, je vois le vert. On est sur le bord d'une guerre, OK? Fait que c'est pas de l'analyse technique conventionnelle là, qu'on a là présentement. Excusez, j'ai mon fil est poigné dans le bras de ma chaise. Bon, c'est pas de l'analyse technique conventionnelle qu'on a là. C'est comme, on est assis sur un bâton de dynamite. Fait que... faut relaxer cette là, OK? Vous avez une petite position, bien attendez encore si vous en avez une petite, OK? MFC, prenez-en pas d'autres, c'est bien assez. On devrait être fini, mais de toute façon, vous n'êtes pas dans l'argent, à moins que vous l'avez depuis longtemps. Puis, pour l'instant, on est dans une correction qui n'indique pas qu'elle est finie. On a une petite pause, c'est tout. Alors, on va comprendre que MFC, c'est fini quand il va pogner 25, 26, 50, 26, 60. Ma position en découvert, FM à 27,60 de moyenne. Je pense que mon chien est mort. Je liquide. Un instant. Paniquerai pas sur des affaires à découvert. 27,60. OK, FM, 27,60. C'est des fois le prix, je ne me souviens pas. Ouch! Là, 27,60, c'est ici. Donc, vous avez vendu ça à découvert quelque part sur la ligne ici, là. Mais ici, c'était tout inversé, là. Mais, je passais en train un peu, Serge, là. Bien, écoutez, vous l'avez gardé jusque-là, là. Vous avez gardé de 27,60 à 35$, là. Vous avez vu pire, là. Ici, on est sur un top. Ici, on est sur le bord d'un bear market. Ça veut dire... C'est peut-être pas la meilleure des positions, mais je pense que votre perte pourrait se réduire parce qu'il pourrait revenir à 30$. Mais là, à 35, c'est dur de dire longtemps après, là. Le temps va faire comme l'Afghanistan. Ils vont geler toute leur liquidité placée en dehors de la Russie. OK, mais je sais pas ce que ça va donner. Je pense pas que ça va faire peur aux Russes. Parce que, tu sais, il y a plein de mesures qu'ils sont en train de faire dans le moment, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Bien, ils ont dit, on va attendre, on n'approuvera pas le pipeline en dessous de la mer Baltique qui amène du gaz partout en Europe. Ils attendent après. Ils n'en ont pas de gaz. Puis là, ils pensent qu'ils vont faire peur à Poutine depuis deux semaines que Macron puis le chancelier allemand, ils disent... je dis chaud chancelier allemand, je ne suis pas capable de prononcer son nom. Fait que, ils disent, bon, on va faire un virage nucléaire, nous autres, on va bâtir des centrales nucléaires, là, on va avoir l'indépendance énergétique. Ben oui, mais c'est pas demain, ça, là. En attendant, ils ont besoin de ce foutu gaz-là. Si c'est pas pour se chauffer, ça va être pour se climatiser l'été prochain, là. Ça fait que, c'est une menace qui n'est pas une menace. Tu veux mieux faire attention, moi, tu sais, avec un coup de tapette à mouche. C'est ridicule. Essayer de bloquer l'argent des riches russes, des russes riches. Il y en a partout dans le monde. Penses-tu que ça va faire virer de bord à Poutine?
parce que tu vas bloquer le compte de banque de sa fille. Là. Je trouve ça, moi, je trouve toutes des affaires niaiseuses. Là, les États-Unis ont dit, ben, les compagnies américaines, ils n'ont pas le droit d'aller faire affaire dans les provinces pro-russes à l'Est. Il n'y en a pas qui font affaire là, peut-être. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de mesure. Ils passent le temps à dire, on envoie plein d'armements en Ukraine, plein de cibles et plein de ça. L'Ukraine n'a pas de soldats. Puis deuxièmement, elle ne sait pas comment que ça marche, ces affaires-là. Ils ont beau envoyer du monde pour les former, mais non, mais regarde, la guerre en Irak, c'est fini. Puis 3 ans après la guerre en Irak, les Irakiens n'étaient pas encore formés. C'est toute la frime. C'est ça qui fait que Poutine, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il n'a pas de raison d'avoir peur non plus, là. Puis l'OTAN, elle n'a aucun impact, elle n'est pas capable d'envoyer un seul bateau, puis un seul sous-marin, puis la seule affaire, puis non plus un seul soldat, puis les satellites, ils ont intérêt à rester sur le côté de l'Ukraine, puis les avions, ils ont intérêt à pas traverser la frontière de la Russie, parce que tu vois que les MiG, ils vont rentrer. Non, 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 non. Poutine, pas Poutine, mais Biden, il fait 3 ou 4 fois qu'il répète, on ne mettra pas le pied en Russie. Ça, c'est clair. Mais donc, l'Ukraine est faite à l'os, est faite d'avance. Ils auront beau faire des pressions économiques, ils auront beau faire tout. Regarde, Poutine, il va ramasser l'Ukraine. Moi, je suis convaincu de ça. Dans votre cours, parlez-vous de la vente de découvert? Bien sûr qu'on en parle. C'est le cours le plus complet que j'ai jamais fait. Ça parle du long terme au très court terme. Ça parle de toutes les sortes de traders. C'est tout un cours. Je vous jure, c'est un cours qui va durer au moins 3 mois, sinon 4 mois. Puis après, pendant 1 ou 2 ans, si je fais des ajouts ou des modifications à ça, les gens qui l'ont acheté vont avoir le droit de l'avoir. J'ai choisi un site qui me permettait de faire ça, puis ça va nous permettre de faire ça. Puis regarde, il n'y en aura pas d'autres. Parce que, regarde, ce cours-là va durer 10-15 ans, puis moi, je ne serai plus là dans ce temps-là. Fait que c'est le meilleur cours de ma vie. AXT, pour un swing, est-ce un bon achat? C'est Extended Care, ça, au Canada? Oui. AXT, il me semble. EXT. Je pense que le symbole n'est pas bon. Michel, votre symbole n'est pas bon. EXT à Toronto, ça n'existe pas. Je suis pas mal sûr que c'est dans... Même pas. EXE? EXT? Je pensais que c'était Extended Care. Ben, vous êtes obligé de reprendre, Michel, parce que EXT, ça n'existe pas au Canada. Est-ce le moment d'entrer dans DOU? Non. Ah, c'est au Canada. Parce qu'il y en a un doux, mais il est mort aux États-Unis. Pas encore, la correction n'est pas finie. BRP, là, gars, il est encore en correction. Attendez que la correction soit finie. On arrive au support. Puis là, bien, oubliez. C'est parce que, comme tout le reste du marché, là, ici, c'est le bear market. Puis si ça éclate là-bas, là, la nouvelle peut-être probable supposée guerre, bien, tout va se péter la gueule. Ça fait que c'est pas le temps encore. Regardez votre graphique en 30 minutes. Pour l'instant, si vous voulez acheter du doux, bien, attendez le temps doux. Le temps doux va commencer à 95$. Est-ce que vous avez des titres dans le Metaverse qu'on pourrait surveiller? Écoute, je ne sais plus quoi dire à propos de ça. Là. Arrêtez ça, l'histoire du Metaverse. Là. C'est une fabulation, ça, le Metaverse. Là. Et, regarde, c'est pas compliqué. Des titres de Metaverse? Mais regardez, toutes les grosses high-tech sont toutes dans le Metaverse. Ils ont tout un pourcentage de leur développement dans le Metaverse. Il n'y a personne qui est encore capable d'expliquer c'est quoi le maudit Metaverse. Même Facebook a changé son nom pour Meta, mais on l'appelle encore Facebook. C'est virtuel, c'est ça. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé cette semaine de donner des petites nomenclatures pour voir qu'est-ce que c'était, là. Pff, c'est toute de la poutine, c'est toute de la frime. On ne sait pas c'est quoi le Christie de Metaverse, là. C'est comme l'intelligence artificielle. Un beau grand mot, mais où c'est qu'on l'a voué, là? Moi, j'ai hâte de voir la photo de l'intelligence artificielle. J'ai hâte de voir quelque chose qui dit... Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ouais, ça fait tout seul, comme un char. Ça conduit tout seul, ça va même faire ton épicerie. Elle va se parquer dedans, elle va envoyer un petit robot dans l'épicerie qui va revenir avec ton épicerie. L'intelligence artificielle, le metaverse, les bitcoins, c'est toutes des nouvelles crusties de mode que personne ne comprend, mais tout le monde veut s'embarquer. Je m'excuse, là, j'ai l'air peut-être négatif, là, mais...
je ne m'embarque pas dans quelque chose que je ne comprends pas. Puis je ne suis pas tout seul à penser de même. Fait que quand on ne sait pas à quoi on fait affaire, on se tient à côté. C'est tout. Ou en tout cas, on n'a pas gros d'argent là-dedans. Mais des titres de Metaverse, il y en a un. Je me souviens plus le bon Dieu du Metaverse. Jocelyn, c'est quoi déjà là? Tu me l'as dit hier? Le stock. Le... Sur Roblox, c'en est un. Bécocoté? OK, RBLX, attends un peu, RBLX. Bon, en voulant un stock de Metaverse. Ben là, j'ai hâte qu'il inverse. C'est peut-être du Metaverse, mais là, il est en train de verser, là. OK, regarde, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Roblox, là, ça en est supposé un titre de Metaverse. Ben, il valait 140, puis là, il vaut 40. Fait que, regarde, un bon jour, peut-être qu'il va y avoir de quoi faire là-dedans, mais je m'excuse, mais je ne sais pas... Je sais pas c'est quoi un Metaverse. Je le comprends pas. Puis jusqu'à date, il n'y a pas personne qui a été capable de me l'expliquer. On fait une autre petite pause, je te souffle. Mon logiciel aussi, ma souris a l'air essoufflée. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Jocelyn, il dit « OK, on revient dans une seconde, je me fute. » On se fourvoie, nous autres, des fois, un peu. Fait que, ben là, écoutez, c'est la journée des questions bizarres aujourd'hui. Hein. Bon, Yvon, j'ai toujours pas compris votre affaire sur Weed. Je veux bien vous aider, mais je peux juste dire une chose. Vous en achetez pas dans le moment, puis si vous en avez, vous les vendez. Mais en tout cas, je reviens là-dessus. MFC, c'est fait. NFGG, début d'un cycle haussier. NFGC. Ça, j'ai pas d'idée, c'est quoi. NFGC. Newfound Gold Corp. OK, bon, il y a beaucoup de résultats financiers aujourd'hui. C'était peut-être un résultat financier. C'était un stock à 55 000 de volume aujourd'hui. Wow, c'est pas normalement dans ces eaux-là qu'on aime nager, là. Il n'y a même pas d'océan, c'est même pas activé. Ici, c'est un graphique tout plein de trous. C'est parce que pourquoi on voit ça quand c'est des graphiques? Oui, il n'est pas en 30 minutes. Bon, on le voit mieux dans un 15 minutes. Mais tu sais, c'est le genre de stock, ça, que vous ne devriez pas embarquer là-dedans. Premièrement, il est sur un top de couloir. Il a monté sûrement sur un résultat financier. Mais regarde,
Tu veux dire, c'est comme quelqu'un qui manque trois dents dans ses dents, là, tu sais. Regarde, c'est juste des trous, ça se trade pas la moitié du temps. C'est tellement un stock pas intéressant, là. Même en swing trading, il est sur une résistance, il a monté sur un résultat, l'or n'est pas en hausse, l'or est sur le top de son cycle. J'aimerais savoir à quel numéro... À... drôle la question, les drôles, questions sont drôles. J'aimerais savoir à quel numéro est votre stochastique. Mais à quel paramètre, vous voulez dire. Bon, j'utilise... Il y a trois paramètres de stochastique tels que je vais les expliquer dans le cours qui sont intéressants. Plus le cycle est... Bien, il y en a même jusqu'à quatre, là. Mais plus... Quand le cycle est très lent, ça peut être du 15-10-10. Quand le cycle est un peu plus rapide, ça peut être du 9-3-3. Mais celui que j'utilise présentement dans, à la vitesse que les marchés vont, à 90 % à mon écran, ce que vous voyez, c'est du 5-2-2. Slow stochastique, 5-2-2. OK? Slow stochastique, 5-2-2. Mais quand les cycles du stochastique l'important dans un stochastique, là, comme là, un stochastique ici, là, ça va être juste de la MERDE, OK? Regardez bien, je vais le mettre là, OK? Oups. Regarde, il y a un stochastique. Regarde, ici, là, j'ai un 5-2-2, qui est le plus rapide. Mais là, regarde, c'est des caractères chinois, là. Regarde, ici, oups, là, ici, il suivait bien ses cycles. Puis maintenant, parce que dans un mouvement neutre comme ça, un stochastique, ça ne sert à rien. Fait que, mais en général, dans la majorité des stocks, si on va aller dans les autos électriques, mettons, regarde ici, j'ai un 5-2-2, regardez les cycles, comment ils posent bien le mouvement, OK? Parce que c'est ça la vitesse du marché. Donc, en général, c'est 5-2-2, mais le stochastique n'est pas le secret de la vérité. C'est un oscillateur qui dit, « Ouais, je suis rendu dans le creux. » Quel est le moment d'entrer dans d'où? Ben, je me semble que j'ai parlé de ça, Marie. C'est peut-être pas vous, mais j'ai répondu à quelqu'un. C'était quoi? D'où, là? C'est plate de répondre deux fois aux mêmes questions, là, mais je vais y aller rapido, OK? Il n'a pas fini de descendre. C'est ça que je disais tantôt. Attendre. Salut. Est-ce que vous avez des titres dans les metaverse? OK, il ne faut pas deuxième montée de lait, là. Nasdaq a touché le fond après la deuxième touche en journalier. Il y a 13 minutes, mais gars, il y a 13 minutes, c'était comme il y a 3 jours, là. Regarde, c'est vrai, oui, c'était quoi? C'était Nasdaq, ben oui, Nasdaq a touché le fond deux fois, puis regarde, on a rebondi, on monte pas de volume, mais dans l'absence de nouvelles, le marché remonte tranquillement. Tu sais, ça prend des grosses mauvaises nouvelles pour faire planter le marché, mais n'oubliez pas que c'est parce qu'on est sur le point d'inversement en bear market. Le marché ne rebondit pas pour rien, là. Puis il ne rebondit pas gros, là. Regardez ça, là. Regarde, c'est ça le rebond qu'on a, là, sur Nasdaq aujourd'hui dans un graphique en 30 minutes, là. C'est pas la mer à boire, là-dedans, là. C'est juste que le marché ne veut pas décrocher plus loin, là. Le bear market est ici, là, juste en dessous, là. OK? T'as les deux... T'es assis sur le bord d'une falaise, les deux pieds dans le vide, là. Fait que ça prend juste une petite poussée dans le dos puis tu te ramasses en bas, là. Fait que c'est juste pour ça que ça rebondit. Ça me démange. Ça me démange, vous voulez dire? Ça me démange. Ça me démange. Il faut que j'achète pour revendre à profit. Pas grand-chose avec la bourse aujourd'hui. Je me reconvertis. Y a-t-il quelqu'un qui m'achèterait du chocolat? Vous allez aller vendre du chocolat dans les CHLD. J'ai un ami qui fait ça. Qui faisait des discothèques mobiles avant, mais là, les discothèques mobiles, ça n'existait plus, là, avant, tant que ce ne soit pas complètement déconfiné, puis c'est ça qu'il fait, il va vendre du chocolat dans les CHSLD, puis il va jouer de la musique dans les CHSLD, il veut que j'aille chanter dans les CHSLD. Hein, oui, c'est correct, là, moi, je suis bien prêt à faire une BA, mais je ne veux pas en faire un job, là. J'ai 10 cents de profit. Giuseppe, bonjour, acheté 2000 élevés à 978. Oups, là, élevé dans les autos électriques, qui était sur son support, c'est sûr. Mais il est complètement écrasé en bas. Vous avez payé 9, vous avez payé quoi? 9,68, il vaut 9,75. Bon, vous avez acheté ça ici sur le support, puis on espère qu'il va rebondir, comme tous les stocks des autos électriques qui sont là sur le support. Mais dans des tendances baissières, là, OK?
Il n'y a pas de tendance haussière nulle part. Hey, le monde sont en amour avec LEV là, depuis des mois. Mais regarde, n'importe où vous avez acheté ça, si vous n'avez pas fait des profits à court terme, vous n'avez pas vendu, vous mangez vos bas, vous avez les 30$ en juin, puis ça en vaut 10. Bien, 10$, ouais. Sur son support, demain, ils annoncent leur résultat. Il a déjà baissé pas mal. Je me dis que les chances qu'ils montent sont meilleures. Mais là, regardez, vous n'avez pas de stratégie, là. Là, vous allez au pif, là, comme tous les investisseurs débutants, là, ils regardent de quoi, ouais, les résultats sont de même. Ils peuvent se péter la gueule sur ces résultats aussi. Puis, mais vous pouvez remonter en haut de la formation demain sur ces résultats, OK? Bien, là, si vous voulez vraiment savoir, est-ce que c'est une bonne stratégie? Non. Puis, votre stratégie, c'est pourri. C'est pas une stratégie, c'est un feeling. C'est une idée. Avec ce que vous avez vu, vous faites une idée, ça ne peut pas faire autrement que remonter. Vous voulez savoir la vérité? Vous avez acheté sur le support, vous mettez un stop à votre prix payé. Mais s'il rouvre en bas de ça demain matin, bien, il va être en bas du prix payé, puis le stop n'aura pas passé, il faudra que vous le vendez au marché. Il y a aussi la solution de débarrasser la position direct là, parce qu'elle ne perd pas d'argent, puis on verra quand ça repartira. Vous faites quelques cents, mais vous ne perdez pas d'argent. Parce que avant, tous les stocks électriques, là, Tesla, il est en baisse, dans un couloir baissier. NFI, qui ont vendu 100, je ne sais pas quoi, à New York, puis ils voulaient en acheter 1000. Puis il descend pareil. Xpeng, les chouchous chinois, regarde, c'est en tendance baissière. NIO, c'est en tendance baissière, puis en cycle baissier. Li vient de faire un petit rebond aujourd'hui, c'est le moins pire de la gang. Mais, regarde, ils sont toutes lettres, ces stocks-là. Moi, je peserais sur le bouton, je débrasserais ça, puis j'attendrais que la situation revienne normale et qu'on revienne quelque part en tendance haussière, parce que si vous avez trop de stocks de même, puis ça se met... Regarde, le problème de chip, là, c'est le problème des autos électriques qui ont tous des problèmes de chip. Il n'y a pas de chip. Il manque des chips partout. Les compagnies arrêtent toutes leurs productions. Les compagnies diminuent toutes leurs productions. Puis ceux qui continuent, ils parquent les chars dans des cours avant de recevoir les chips. Puis ils ramènent en dedans avec un towing. Puis là, ils posent les chips quand ils ont les chips. Mais en attendant, ils peuvent passer des bodies, mettre des roues, mettre des portes, mettre des fenêtres. Mais ils n'ont pas les chips. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que... Peut-être qu'il devrait appeler chez Laze pour acheter des chips. Extendicare, mais je ne sais pas si c'était Michel, je ne sais pas si la personne répond à l'autre personne. Je sais qu'Extendicare, c'est XA, mais le symbole que j'avais, c'était pas ça. C'est un achat DF-C. Bon, ça a l'air pas mal bizarre, ça, Billy, DF. Ça doit être sur une bourse de pacotille. Ah, DF, Dividend Split Corp. Tabarouette. Je veux dire, c'est en quelle année qu'on va faire de l'argent là-dedans? Là? Pour l'instant, en tout cas, si c'est ce stock-là, là, il n'y a aucun intérêt là-dedans. Là. Car ça monte là. Ben là, Billy, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Là. Vos questions que j'ai vues ce matin, elles sont un peu bizarroïdes, là. Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui lance des questions de même en l'air, là. Ça monte. Ben oui, c'est vrai, ça monte aujourd'hui. On va dire comme le gars dans ses annonces. Ben oui, eh oui, c'est Maxi. Mais non, il n'y a rien à faire avec ça, voyons donc, là. Selon toi, si la Russie envahit l'Ukraine, est-ce l'approprié? Est-ce l'approprié, ça? Est-ce que les richesses naturelles, financières ou autres leur appartiendraient à ce moment-là, ce qui pourrait compenser une partie des sanctions? Aucune idée, là. Vous êtes rendu, c'est de la pure fabulation. Moi, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Regarde, s'ils rentrent en Russie, la bourse va planter, l'or va monter, le pétrole va monter. S'ils rentrent en Ukraine, là, je veux dire, bien, ils sont là, mais je veux dire, s'ils vont plus loin, là. Mais de là à savoir, ça lui appartient-tu, bien, les ressources en Russie, ça appartient-tu à Poutine? Tu sais, en partie, mais non, là, vous posez des questions que moi, je ne peux pas répondre. Je peux pas répondre à ça, voyons donc. ETF, Meta, pour avoir une position. Toute une stratégie, ça.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. ETF, Meta, là, pour moi, c'est même pas un symbole. ETF, Meta. Le Metaverse, c'est, c'est un univers parallèle, c'est la vie de tous les jours, mais en virtuel. Ben oui, mais je le sais, c'est tout le monde dit la même chose, mais ça met quoi? Comment ça met de l'argent dans tes poches, ça? Comment ça va te rendre millionnaire? Comment ça va faire... tout le monde va se promener avec des lunettes de virtuel? Je comprends pas, non, mais je comprends, mais regarde, ça c'est des affaires dans Wikipédia. Il n'y a personne qui est capable d'expliquer c'est quoi vraiment un Metaverse. J'ai vendu vite à Toronto 1868. OK, vous avez vendu du pétrole sur le top. Vermillon. Vermillon. Zut! J'ai vendu vite à 18,68. Fait un très bon profit. Ah, vous ne l'avez pas vendu à découvert. Le prix du gaz qui bouge toujours. Est-ce un bon move pour pré-embarquer? Non. On est dans une formation neutre. On est en haut d'un cycle. On est sur le top d'un couloir. Oui. Regarde, mettez ça prêt à peser sur le piton. Puis si les Russes ils décident de s'en aller vers Kiev, là, ben achetez-en parce qu'ils vont monter. N'importe quoi dans le pétrole, puis n'importe quoi dans le gaz. Puis c'est là qu'on est. Il n'y a rien qui bouge dans le pétrole puis dans le gaz présentement. Tout le monde attend les nouvelles. Regarde, on est sur le top dans le pétrole, dans les pétrolières. OK, c'est complètement neutre depuis tout le mois de février. Puis le gaz, il a fait semblant de décoller tantôt, mais il n'a pas décollé, puis le volume est tout petit, c'est pas parti encore. On est sur le bord de quelque chose là, mais ça va se passer si les Russes... Il envoie les tanks vers Kiev. USA, bon point d'entrée, c'est-tu Kinross, ça, aux États-Unis? Non, c'est Kellogg. Parce qu'au Canada, K, c'est Kinross. C'est Kellogg. Ben, il n'y a rien à faire avec ça. Non, regarde, il n'y a rien à faire avec ça, réellement. Regardez ça. Ça doit payer un dividende, ça, Kellogg, c'est sûr. Là. Moi, j'aime bien la compagnie parce que je mange les céréales, mais à part de ça... je vois pas de potentiel là-dedans, ça fiche rien pas en tout, ça. À part, puis en plus, c'est sur le top d'un cycle, puis c'est sur le bord de la résistance. À part que pour les dividendes, je vois pas ce que ce serait, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant là-dedans. NFG sur le TSX. OK, Newfound Gold. OK, on va regarder ça. Bon, il a fait un mouvement matin, il vient de faire un autre petit mouvement là. Sa résistance est à 9,65. C'est un stock d'or, ça peut être un résultat financier. Je vais aller voir l'or. L'or est pas mal sur son top. Il faudrait... Oh, mon Dieu, que je sais pas si c'est arrivé dans les mines depuis tantôt. Là. Dans les mines, puis durant l'uranium, il y a eu un peu d'activité. Mine, uranium. Puis les marchés, eux autres, sont en train de revirer de bord. Je vous dis, là, c'est la tour de Babel. Là. Regarde, il n'y avait aucune raison pour le rebond ici. Le rebond se faisait parce qu'il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Bon, puis là, ben, regarde, ça vient de finir. Là, on s'en revient neutre. Donc, la tendance haussière vient de devenir une tendance neutre sur Nasdaq, New York, le SPY, partout. À propos de l'or, c'est un beau petit breakout, cette affaire-là. Vous prenez une petite position là-dessus, si vous voulez. Moi, à mon avis, ça va foirer, fait que l'or va monter, mais c'est à peu près tout ce que je suis capable de donner là-dedans. Tu sais, ce titre-là, c'est une tendance baissière all the way. Là, pour l'instant, il est à sa résistance de 2 mois. Il n'y a rien de positif encore là-dedans. Pouvez-vous faire quelques sous dans ça dans les prochains jours? Ouais. Mais est-ce que c'est l'idéal, un signal idéal, whatever, ça se détrade pas, là, c'est sur Vancouver, c'est sur Venture, c'est à peu près là, pas assez de volume pour ça. Puis c'était en détrade en plus, non, on est, embarquez-vous pas là-dedans en détrade, là, pas sur des stocks de croissance. Là. HQD, FNB baissier, c'est un bon moment pour initier une position, sinon à quel prix? Bon, j'ai répondu à ça tantôt. La réponse, c'est non. OK? Fait qu'en haut de cette pièce et demie, quand le marché redécrochera ici, en bas. Genre votre graphique quotidien, là,
Regarde, New York, Nasdaq, SPY, on est ici en bas. Regarde, mes lignes sont toutes là. Ici, c'est le bear market. Donc, ça prend un nouveau bas sur le SPY, puis ça prend un nouveau haut sur HQD qui passe les 7 pièces et demie, sinon on n'embarque pas là-dedans. HRL, US Home Food, bon point d'entrée, je ne détiens pas le titre. HRS. HRL. Yac, pas ça, certain. Ah oui, 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 Hormel Food. Je ne détiens pas le titre. Bon, OK. Premièrement, c'est toujours une tendance baissière. Deuxièmement, il n'y a pas un gros potentiel. Il y a 4 % puis encore là, il faudrait qu'il rentre à 48,5 jusqu'à 50,5. Il y aurait 2 piastres, donc 44 % de potentiel. C'est la seule affaire que je verrais techniquement faire là-dedans. Définition simple du Metaverse. Entrer dans un monde virtuel et se créer une vie dans ce monde en achetant des objets virtuels avec de la monnaie virtuelle qu'on a acheté avec de la vraie argent. ça ressemble à ça, tu sais. Ça ressemble à ça. C'était un rêve, cette affaire-là. Mais je la catch pas, l'affaire du Metaverse. Je ne vais pas me mettre à expliquer quelque chose que je ne comprends pas. Daniel Lauzon, ceux qui ont envie de transiger, respirez par le nez et mettez vos pieds sur le pouf et tombez dans le coma. Vivez-en le potentiel pour un achat VZ au US. potentiel, il n'y a rien comme potentiel là. Regarde, on pensera à ça quand il vaudra 54,5, 55, là. On est loin d'une tendance haussière ici, là. La tendance baissière a été inversée depuis un bout, mais tant qu'on n'arrêtera pas 54,5, 55, on ne touche pas à ça. On a atteint l'euro du rebond, bien oui, on l'a vu, on check ça, on reste tout le temps proche. Merci, Dandoun. Je me demande si le GAFAM a beaucoup d'argent en Russie. Je ne peux pas répondre à ça. Moi, maintenant, je n'ai aucune idée. Au Cisco, payé 3,82 le 17 février. Ah, ça doit être à profit, ça. Au SK? Oui. Pour SK. Ouch! Il a mangé le maudit débarque. 17 février, la journée qu'il a planté. Attends. 3,82. Là, il vaut 4,10. Est-ce à garder? Bien, là, regarde, moi, je ne sais pas pourquoi il avait planté de même, là. Parce qu'au R, il n'avait pas fait ça, mais au SK, il a fait ça. Pour l'instant, il est à profit. Il remonte. Il est sécurisable. Vous avez payé 3,82, c'est là. Hein, c'est ça? Oui, 3,82, c'est là. Là, vous êtes à 4,10. Fait que si vous vendez la moitié de suite, votre prix de revient est là. Fait que moi, je vendrais la moitié de ça, je mettrais un stop à 3,90. Puis le reste, on danse nos deux oreilles. ADP US. Support atteint ne détient pas le titre. Un support atteint, mais pas son support. Puis le bear market... Comme tout le reste que je vous montrais tantôt. Comme tout le reste que je vous montrais tantôt, la tendance a été inversée, puis le bear market est là. Vous ne détenez pas le titre. Moi, je me garderai encore une petite gêne là-dessus. Là. Je ne vois pas de point d'entrée là-dedans avant 203 piastres. Parce que jusqu'à date, ça reste tout négatif. Fait qu'il y a un gros risque, surtout dans la condition du marché actuel. Je fais une dernière pause, on revient pour un petit stretch d'à peu près 10 minutes. Puis après, ben, je vais aller prendre un petit break jusqu'à 2 heures. «
Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. OK, le petit rebond, il s'est terminé. On a fait l'aller-retour. Donc, on est passé d'une... on était dans une tendance baissière depuis l'ouverture. Après ça, on a fait une tendance haussière sans tambour ni trompette. Puis là, maintenant, on est dans une tendance neutre. Bon, sur chacun des marchés, on a... le dollar n'est pas revenu. Fait qu'on ne peut pas le considérer vraiment neutre encore, mais le SPY, oui. Fait que... le marché a rebondi dans l'absence de mauvaises nouvelles, c'est tout, mais il n'y a rien de bien gros là-dedans. Steve Hamm, il dit, Michel, on ne peut appeler ça, on ne peut pas appeler ça une guerre, mais l'Ukraine va se laisser prendre sans riposter. Ça, je suis pas sûr, là. Donc, ce sera qu'un événement qui va passer comme quand la Russie a pris la Crimée. Ouais, mais la Crimée, c'est gros comme un poids dans un bol de soupe, là. Je veux dire, c'est tout petit, c'est minuscule. La Crimée, c'est même pas 10% de la grosseur de l'Ukraine. Là. C'est tout petit, là. Fait que tout le monde s'en foutait de la Crimée. Fait que c'est bien pour ça qu'ils l'ont pris, puis that's it. Personne en a parlé. Mais la situation n'est pas pantoute pareille, là. Regarde... il y a des millions et des millions de dollars qui s'en vont vers l'Ukraine pour les équiper, les armer, puis faire tout, même s'ils n'ont aucune chance. Là, moi, je suis bien d'accord là-dessus qu'ils n'ont aucune chance. Ils ne vont pas se laisser prendre, mais il va y avoir des pertes là, de chaque côté. Est-ce que les Russes vont le faire? Oh, je pense que oui. Est-ce qu'ils vont gagner? Je pense que oui. Est-ce que les sanctions de l'OTAN vont suffire à arrêter Poutine? Je crois que non. Mais... je ne détiens pas le secret des dieux. C'est une pure opinion d'un gars qui fait de la bourse depuis 40 ans. Minimum. mais je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait. On ne peut pas comparer la Crimée avec l'Ukraine quand même. Là. Pour ton info, Cisco avait chuté à l'arrêt des discussions avec Northern Star. Ah, bien, maintenant que tu le dis, ouais, là, ça me replace. Mais quand même, donc ça veut dire la raison pour laquelle OSK avait monté plus les autres. Non, c'est pas OSK au Canada plutôt, là. C'est qu'il avait monté plus les autres. Il n'y a pas de stock qui ont fait tout ça dans les orifères. Lui a fait ça. Mais je trouve qu'il n'a pas tombé tant que ça. Fait que je continue. Mais oui, monsieur. Avec le projet Windfall dans le bout de l'Abitibi.
Bon, ils ont un autre projet parce que Pierre QC, il dit que ça avait planté à cause de l'arrêt des discussions avec Northern Star. Mais nous, on en a parlé la semaine passée, puis on a dit qu'ils avançaient dans le prochain Windfall. Ça veut dire qu'ils sont, ça veut dire qu'ils ont de l'argent puis qu'ils veulent embarquer dans quelque chose, OK? Fait que c'est pas négatif. Mais je maintiens ma recommandation de tantôt, prendre un profit, mettre un stop, puis on laisse aller le reste. JNJ, ça c'est Johnson, tendance baissière inversée, support atteint, ne détient pas le titre. Merci pour tes analyses en direct. Ça c'est Johnson & Johnson. On le voit mieux dans le graphique en 30 minutes que son support est atteint. Bon, ben regarde, quand on regarde le cycle lui-même, là, il est là. Là, on a inversé, ouf, cette tendance-là qui était très abrupte, ce qui est normal. Ça fait que là, dans la pente montante, s'il décolle un peu plus haut qu'ici, là, OK, les prochaines résistances sont là, 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 là. Voici les prochaines, OK? Ça fait que, mais ici, là, il faut quand même se garder une petite gêne. Tiens, on va prendre... on va aller sur Traders, puis on va me loader un de mes graphiques. Ça, c'est la nouvelle version de Traders qui sort avec le cours, là. Est vraiment, vraiment épatante. JNJ. Non, c'est New York. De même. OK. Fait que c'est ça que je vous montrais. La tendance est là. La tendance est là. On est ici. C'est le prix d'entrée, ce serait 163 ou un peu moins. Puis, résistance à 164, 165 puis 167. Puis, avant même, parce que une vraie tendance haussière commencerait à 168. Fait qu'ici, là, on joue du rebond. OK? On joue du rebond. Une pièce, c'est ça, bah, une pièce et demie, une pièce, puis une pièce. Un petit peu. 64, 65, 67. Non, ici, c'est deux pièces, ici, c'est une pièce, ici, c'est deux pièces. Donc, deux pièces, une pièce, deux pièces. Puis là, on joue des rebonds dans une tendance baissière. L'OWE, il me semble que ça ne serait pas plutôt LOWS. Vous êtes en train d'atteindre votre quota de question, Billy. L-O-W-E. Non, c'est plutôt L-O-W-S, hein, c'est ça. L-O-W-E. J'avais une erreur. L-O-W-S. Nous aussi. Votre symbole, il n'est pas bon, là. L-O, signal d'achat. Billy, votre symbole n'est pas bon. BMYUS, point d'entrée, je ne détiens pas le titre, BMY. Bristol Myers, sur une résistance, plus de potentiel. Puis regarde, même s'il retournait à son top, là, c'est combien plus haut ça? Hey, 69. Bien, il reste une pièce sur 70 pièces. Ça ne vaut pas la peine de trader ça. Là. Hey, regarde, c'est sa résistance de 5 ans. Non, non, c'est pas le temps d'embarquer là-dedans. Là. Il n'y a pas de potentiel. SILX, US, bout de cierge. Bout de cierge de bout de cierge. J'aimerais présenter un nouveau ETF deux fois leverage argentifère parce que il n'est pas connu. Bon, on l'a déjà vu, SILX. SILX. Ouais, mais regarde, il y a 4000 actions transigées aujourd'hui. Il a beau valoir deux fois l'argent, là. OK, regarde, il est là, là. Attends un peu, je vais envoyer ça dans ma liste 20. Puis je vais envoyer l'argent dans la liste 20. Puis là, je vais regarder dans ma liste 20. Puis là, je vais voir. Ça, c'était quoi? Regarde, c'était l'or. Je lui ai dit que l'or, c'était fini le cycle. Bon. SLV, puis SILX. Bon, on n'a pas beaucoup de données en arrière sur SILX, là. Mais regarde, c'est la même chose. On est rendu à la résistance sur SLV. On est rendu à la résistance sur SILX. Puis c'est pas le temps d'embarquer là-dedans. Pas plus dans l'or que dans l'argent. Mais moi, pour vous dire une idée, là,
c'est peut-être pas pire sur 2-3 jours pour quelqu'un qui n'en achète pas beaucoup, là. Mais quand tu penses que le stock a 4000 actions transigées sur la bourse IAC. Très faible. Donc, parce qu'il n'est pas connu, le volume très faible, donc difficile à trader. C'est sûr, j'ai réussi à le revendre, un autre 25 % de ma position. Mon rendement est de plus 25 % bien content. C'est pas le moment de l'acheter, mais surveiller pour acheter sur un creux. Moi, j'avais un coût moyen de 4,10, vendu 5,22. Ouais, mais vous avez un peu les fesses bénites, là, tu sais. Moi, je pourrais pas recommander ça à des centaines de personnes. Il n'y a même pas assez de volume pour tout le monde dans la journée-là. Non, c'est correct pour vous, là. Vous avez le droit de vous spécialiser dans un stock, mais ce n'est pas recommandable pour l'ensemble des traders. BHC ce matin, 29,88. Ouh, bosh. OK. Sur le rebond, OK, vous êtes correct pour l'instant. Excusez, j'ai été trop loin avec ma souris, puis j'ai parti quelque chose dans mon OBS. J'ai shorté BHC ce matin à 29,88. Ouch! Shorté. Ouais. L'avait shorté là. OK. Mais sur le bord du support. Titi. Bon, je pense qu'il va y retourner. Vous n'êtes pas trop à risque, là, mais à 30,5 $, c'est un buyback, là. À 30,5 $. Ton stop de protection, 30,5 $. J'ai shorté KXS à 147. KXS. Puis là, il vaut 147. 147,86, il vaut 147. Où placer mon stock de protection? Bien, la meilleure place, c'est le point payé. Parce que le stop de protection, il devrait être à 150, mais vous perdriez 3 $. Donc, je mettrais le stop de protection au prix payé. Là, vous faites un petit profit. Je pense qu'il va descendre encore, qu'il va revenir à 145. Vous l'avez shorté à 147,86. Je prendrais un premier profit à 145, par exemple. GIS US. Non, ça, c'est au Canada. General Mills. J'ai shorté KXS 147,86. Non, c'est pas là. C'est GIS, j'ai un potentiel pour un achat. Non. Non, il n'y a pas de potentiel. Il n'y a aucun potentiel là-dedans. Je ne vois pas aucun potentiel dans ce stock-là. Il est complètement... C'est vraiment sur le top d'un couloir... Dans le haut de son couloir, il y a trop de place à correction. Ça va prendre des jours avant qu'on voit un signal qui a de l'allure. Si je possède un autre logiciel que votre trader, est-ce qu'on pourrait quand même suivre le cours sans être perdu? Ben, moi, j'enseigne l'analyse technique, mais au départ, je vais donner des formations sur les logiciels Traders Plus par Capvision Plus, parce que la majorité des personnes qui vont acheter le cours, soit qu'ils l'ont déjà, ou soit qu'ils vont l'avoir avec le cours, dépendamment, puis ils ne payeront pas le même prix. Ceux qui l'ont payent le cours moins cher. Ceux qui ont tous les produits payent 500 $. Ceux qui n'ont pas de produits ont payé 1 500 $. Ils vont avoir tous les produits pendant 3 mois, par exemple. Puis les logiciels vont leur appartenir. Fait que c'est un gros deal, ça, cette affaire-là. Là. Est-ce que vous allez pouvoir suivre? Oui. Est-ce que vous allez être capable de faire ce que je vais vous enseigner à faire? Ça, c'est plus compliqué, là. OK? Je ne sais pas ce que vous utilisez, mais il n'y a rien qui est capable de prendre la place de Market Vision Plus puis Traders Plus, parce que ça, c'est des vrais outils de trader, là. Tu sais, des plateformes qui te montrent un ou deux graphiques en temps réel, là, que faut que tu fasses 10 000 manipulations pour arriver à quelque chose, là. En trading, ça va mal, là. Parce qu'en trading, là, c'est pas le travail que tu fais. Il ne faut pas que ce soit une journée de travail, il faut que ce soit une journée de décision. C'est pour ça qu'on s'appelle Décision Plus, d'ailleurs. Et puis,
Mais oui, vous avez, bien sûr, vous allez être capable de suivre. Mais ce serait dommage que vous n'ayez pas... Je ne sais pas si vous êtes une swing trader ou un day trader, une day traders, mais c'est sûr que, regarde, il y en a plein des plateformes qui ont des graphiques en temps réel. Tu regardes le même graphique toute la maudite journée, mais il va faire la job, là. Mais mon trader, il est fait pour suivre plein de graphiques, puis de mettre des alarmes dessus, puis pas faire du travail tous les jours, à rentrer des affaires, puis à rentrer des affaires. Mes listes sont faites. Regarde mon nouveau, regarde ma nouvelle version de trader qui va sortir, là. Tout le monde qui ne l'ont pas déjà, là, ils vont attraper ma barre pareil comme l'Omicron. Là, c'est ça. C'est ça va être comme un virus. Oh, puis le marché va replanter en plus de ça. Mais regarde, ici, là, toutes mes listes ont été refaites et ils sont parfaites. OK? Fait que là, tout ce que tu as à faire, tu cliques sur le piton. OK? Les secteurs USA, clique. OK? Regarde. Je viens puis là, j'ai tout en une minute, là. Puis là, bien, parce que j'ai la nouvelle fonction, là, je peux encocher ça ici, là. Fait que tout ce que je vais ouvrir, quand je vais en ouvrir un autre, il va fermer l'autre. Regarde, les secteurs USA, les secteurs canadiens, barang. Les FNB de marché, pas tard. Le Q12, le GAFAM, pas tard, je l'ai tout. Puis là, je passe là-dedans. Les véhicules électriques, les composantes électriques. Regarde les véhicules électriques, je les ai d'un coup. Les composantes électriques, les énergies renouvelables. Les airlines, tu sais, je clique dessus. Les airlines, yon. Vois-tu, regarde, les airlines, là, ils poussent sur le manche à balai, là, dans le moment. Les recreational, les bateaux, puis toutes les affaires de voyage et tout ça, regarde, ça retombe tout en train de retourner par en bas. C'est un logiciel, tu peux faire bien des affaires avec, mais il arrive préparé, formaté, avec les choses que tu as à voir, sont déjà là, puis tu as toujours rien qu'un piton à cliquer. Puis il n'y a pas de comparaison avec ça, mais oui, vous pourriez avoir un logiciel Metastock ou un n'importe quel autre logiciel américain. Moi, je vous enseigne l'analyse technique. C'est juste que je l'enseigne avec mes logiciels. Fait que, ça ne veut pas dire que vous allez être capable de faire ce que je fais avec votre logiciel. Ça, je mentirais si je dirais autrement. Oui, n'importe quelle théorie technique, vous allez être capable de l'approuver avec le logiciel aussi. Mais est-ce que vous êtes capable de faire tout ce que je fais? Ben non. Notre logiciel, il n'y a personne qui est capable de battre ça. Là. En Amérique du Nord, il n'y a aucun logiciel capable de battre Market Vision Plus, Trader Plus. Aucun. Puis qu'on vient de me dire le contraire, je vais l'accepter, mais je vais vous le prouver en plus. Il y a deux Billy, OK. Bon, mais regarde, il y en a un qui va falloir qu'il se prenne le choix, là, qui s'appelle Billy 1, puis l'autre Billy 2, là, parce que moi, c'est un problème quand il y a deux Billy. C'était pas toi la dernière question. Bon, mais regarde, à partir de maintenant, prends le nom de Billy 1, puis l'autre s'appellera Billy 2. Billy 2. Ça arrive, là, mais tu sais, il n'y a pas juste un pitou qui s'appelle Fido, là, tu sais. Je crois que Nasdaq retourner faire un nouveau sommet. Je vois le Nasdaq retourner faire un nouveau sommet. Hein? Où? Ben, il est fait. Il est fait, le sommet, là. Il est fait déjà. C'était des petites affaires, là, gars. Ça revirait de bord, puis là, on est revenu du côté baissier. Canada, LME sur Venture. Ah, ils ont encore un paquet de questions. Ah, OK. Bon, écrivez plus de questions, je n'aurai pas le temps de les répondre. Je vais répondre à celles que j'ai là, simplement. LME. Moi, je suis vidé après l'émission du mercredi. L'Orion Mineral Exploration. 298 000 de volume. Oh, hop, là, attends un peu. Un couloir ici, un couloir là, dernier couloir là. Hop là, OK, il y a un petit peu de place là-dedans. C'est quoi la question avec ça? Sur Venture, je l'ai vu tard, donc raté, c'était bon, il me semble, à 1,4. Ben ouais, c'est correct, mais à ce prix-là, il est moins, là. C'est un bizarre de stock, hein, ça fait jamais bien ben de volume. Il a fait une grosse histoire au début, mais il va pas mal. Écoute, c'est des nouveaux. Je la connais pas. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils font, je sais même pas où ils sont. Mais là, il est sur l'eau d'un couloir. Vous avez bien raison. HSYUS Hershey, prochain point d'entrée. Oh, chocolat! C'est Hershey, c'est du chocolat. Justement, j'ai une barre dans le frigidaire.
Hershey Company, top de couloir, false note. Hey, le chocolat, ça a marché pendant la pandémie, ça. Oh, je sais pas, c'est dur à dire quoi faire avec ça. Je le trouve bien cher, je le trouve bien proche de son couloir en haut. Il me semble qu'il y a trop de place à correction. Pas beaucoup d'affaires. Goodfellow GLD. Goodfellow, ça me fait penser à la juge. Là. GDL. GDL. Toronto. Ah, OK. Pas le même. GDL. Oh, t'as. 12 000 actions transigées là-dessus. Nouveau. Bon point d'entrée. Je sais pas, là. Regarde. Non. Je sais pas. Je peux pas commenter un stock qui se transige 3 000-4 000 actions par jour. C'est n'importe quoi, là. Très facile à manipuler. Là, il est sur le haut de son couloir. Après avoir traversé sa résistance, il est en train de revenir à sa résistance. Voilà. Écoutez, Dominique, c'est un stock un peu merdique, là. Comment s'inscrire à mon cours? Bien, appelez au bureau ou envoyez un courriel à info@decisionplus.com. Vous allez sur notre site ou vous appelez 391-366 ou 1-877-392-1366. Vous parlez à Mustapha. Vous lui demandez de vous mettre sur la liste d'attente. Aussitôt que la chose est prête, on vous contacte, vous vous inscrivez, puis ça va se passer dans les prochains jours. Oui, puis moi, je peux le forwarder pour vous. Vous pouvez m'envoyer un courriel à Michel Carignan, de tout d'un mot, @decisionplus.com. Moi, je vais y envoyer. Puis, ça va être probablement la semaine prochaine, je vais dire, OK, c'est là, tout est là, tout est prêt. Puis toute l'information va être dans le site, là. Numéro de téléphone, toute la portion gratuite. Il va avoir déjà commencé à faire les vidéos. Puis vous allez avoir toute la nomenclature du reste qui est dans le cours payant. Mais ça va être les grands sites, là. Pas les petits détails, parce que il y a du monde qui vont servir des petits détails en disant, bien là, tout est dit là-dedans. Mais écoute, il y a 200 sous-points là-dedans, 220 sous-points là-dedans. Il y a des vidéos qui vont durer 2 heures dans ça, là. Mais c'est un morceau à la fois. C'est tranquillement, pas vite. C'est comme une formation universitaire. C'est comme si vous alliez faire médecine, mais à la bourse. Je ne vous laisserai pas tomber, croyez-moi. Puis quand il va y avoir des changements et des ajouts là-dedans, vous allez le recevoir. Fait que demain, tout le monde va être intéressé à recommencer à partir de zéro au début, pour ceux qui vont arriver, même dans le futur, dans 2 ans, puis dans 3 ans, ce cours-là, il va avoir des mises à jour. Puis là, je n'aurai pas de barbe, parce que c'était ça la joke, que quand j'ai eu mon accident à l'automne à la chasse, je ne pouvais pas me raser, puis là, j'ai laissé pousser ma barbe, mais j'ai dit, je vais la couper lorsque je vais sortir mon cours. Puis là, bien, c'est sur le bord, puis j'ai hâte parce que ça me pique. OP, opportunité d'achat sur le marché présentement. OP USA. OP. Ontario Police. Ocean Port. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, cette affaire-là. Et tabarouette. C'est compliqué, là. Ah, bon, non, regarde, là vous courez après quelque chose là, qu'il faut pas courir après ce genre d'affaires-là. Un petit instant, je vous reviens dans une seconde. Comment ça se fait que je suis pas capable de mettre ma souris? Ah, là! Donc, l'histoire de OP, là, vous devez être nouveau pour poser une question comme ça. Embarquez-vous pas dans des cochonneries de même, là. Vous allez manger vos bouffes, vous allez remplir votre portefeuille d'un paquet de bisouneries puis de cochonneries. Il y a plein de monde qui font ces erreurs-là. Puis ça, c'est des gros points dans mon cours. Tu sais, les erreurs des débutants, les fausses croyances, les mauvaises habitudes, puis il y en a des points dans ce cours-là, là. Ça a été une méchante job de résumer 40 ans d'expérience. Ça a été une méchante job, mais je suis
super content de mon cours. Il n'y a pas personne qui est capable d'accoter ce cours-là. Puis mes compétiteurs vont l'acheter pour apprendre. D'ailleurs, je connais un compétiteur que je pense pas qu'il y ait moi qui les a formés. Mais ils m'ont écouté pendant des années, c'est sûr, mais ils sont supposément dans le milieu depuis longtemps. Là, mais, puis je dirais pas quoi parce que je veux pas dire c'est quoi le nom. Mais tous les formateurs que je connais au Québec, là, c'est des gens qui l'ont appris de moi. Peu importe c'est qui. Puis je le ferai face à face. C'est moi qui les ai formés. OK? Il y en a, là, OK? Peu importe le nom, hein, OK? Écrivez-moi là dans le bas, je vais vous répondre oui ou non, mais je ne dirai pas c'est quoi, mais je vais dire, ben oui. Écoute, il y en a, c'est des anciens employés, il y en a, c'est des anciens clients, il y en a, c'est des parvenus qui sous prétexte qu'ils étaient vedettes dans d'autres choses, ils se sont imaginés qu'ils venaient d'être des vedettes dans la bourse. Puis, écoute, regarde, j'en ai vu toutes sortes de choses. Regarde, le marché est rempli d'imposteurs. Pas tous des imposteurs, mais regarde, moi je pense que je suis quand même le père de l'analyse technique au Québec. Là. Je suis là depuis 1987. J'ai fait tous les salons des placements, j'ai fait des conférences pour toutes les banques, j'ai été dans toutes les villes, j'ai été partout dans la province de Québec. Ça fait 2 ans que je suis en ligne 4 heures par jour. Puis vous pouvez bien fouiller sur Internet, vous n'en trouverez pas des squelettes dans le placard. Il y avait juste un pourri qui me bitchait sur Internet, puis c'était pour se vendre des, c'était pour attirer du monde sur son site Internet. Parce que quand tu bitches puis tu parles de Michel Carignan, bien là, il y a plein de monde qui vont aller voir qu'est-ce qu'il dit, c'est Michel Carignan, un ancien programmeur de la Sûreté du Québec, un voleur, un fourreur, un crosseur. Je sais, regarde, on est allé voir ses affaires, puis on l'a pogné. Le monde l'appelait, puis il disait, « Ouais, mais moi, j'avais fait, OK, donne-moi le temps, je vais parler de toi dans ma chronique. » Tu sais, me dire, là, tu sais, les profiteurs, là, de même, là, il y en a. Mais ça, il est sorti de la circulation parce que je l'ai descendu assez solide, il n'y avait plus personne qui y faisait confiance. Moi, j'ai pas de zone grise, hein, puis je fais pas dans la dentelle. Mais moi, les voleurs, les crosseurs, les menteurs, les tricheurs, les violeurs, là, tout ce qui finit par ça, là, j'ai une sainte horreur de ça, là. BDBC, index ETF général sur les commodités. PDBC, je ne sais même pas c'est quoi. Il y en a du stock, là. J'ai combien de compagnies? J'ai 25 000 compagnies dans mon ordinateur. Je ne connais pas toutes. BDBC. Ouais. PD, OK, bon. C'est compliqué, les B, les D, les V, les C. PDBC. Bon, lève-là. OK, ben là, il redescend après avoir monté ce matin. C'est quoi cette affaire-là? Aïe, aïe. PowerShare Actively Mana. Vous dites c'est quoi, vous? Index ETF général sur les commodités. C'est dur à analyser, cette affaire-là, je vous avoue, là. Sur les commodités. Donc, il doit y avoir des questions de comme les futures, là. Ils ont des dates d'expiration, là, parce qu'il y a des affaires bizarres, là. Ça, c'est bizarre. Puis ça aussi, c'est aussi bizarre. Je sais pas, je vous avoue, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je sais pas comment analyser ça pendant tout. Je sais même pas c'est quoi. Ça me paraît super bizarre, cette affaire-là. Je sais pas. Je peux pas analyser ça. Je suis pas capable d'analyser ça. Je m'excuse. D'accord, Pierre. Je le posterai pas, mais je suis bien d'accord avec toi, puis je vais agir. J'ai dit tantôt, de toute façon, qu'il est en train de passer sa limite, là. Stéphane, t'as bien raison. Un imposteur, puis un arnaqueur. Voyons donc, Stéphane, as-tu vu le prix qu'il vend ses cours? As-tu vu ce qu'il donne avec ça? Rien, que dalle, OK? Regarde,
Moi, là, de toute façon, j'y fournissais mes affaires avant, puis j'ai pu fournir, acheter sacré ça dehors à la porte. Puis, il m'a sali. Puis, il peut bien essayer de me salir, mais moi, je suis reconnaître un profiteur. Puis lui, c'en est un. Stéphane, je ne le montrerai pas. Puis l'autre, lui, c'est, ben, écoute, c'est mon ancien vice-président, OK? Il a commencé à faire sa compagnie pendant qu'il travaillait pour moi, là. Puis ses cours, c'est des cours en canne, là. Tu veux dire, bon, mais regarde, ça vaut-tu le prix, là? Mais regarde, c'est à vous à décider. Moi, je dis que le monde, ils doivent magasiner. Puis regardez ce qu'on offre ici, puis ce qu'on offre là. Puis c'est qui a le plus de crédibilité, puis qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Mais si vous vous faites vendre un, que si vous acceptez de payer 10, 12 000 piastres pour un cours, puis en plus qu'ils vous font signer un document d'un quart de page que vous n'avez jamais le droit de révéler à personne tout ce que vous avez appris là, mais c'est ça au vidange, là. Il n'y en a pas de ça chez nous, là. Il n'y en a pas de choses qui disent vous n'avez pas le droit de dire aux autres ce que vous avez appris. Hey, c'est le principe de l'éducation, Simonac. C'est le principe de l'éducation. Quand tu apprends quelque chose, non seulement tu l'apprends toi, mais c'est ton devoir de le propager, de le dire aux autres, de montrer à tes chums, arrête de faire ça, fais ça, regarde, moi je l'ai appris, je l'ai appris. Non, mais c'est niaiseux en tabarnane. Ça, c'est comme les Shark Tank, puis toutes les places là, à la télévision, là, que le monde investisse de l'argent, toutes des arnaqueurs, c'est toutes des arnaques. J'en connais, j'y étais moi-même. J'ai signé les crestis de documents. Je n'avais pas le droit de dire pendant 4 ans que j'avais été là. Oui, ou que j'avais pas été choisi, ou quoi que ce soit. Non, non, mais écoute, là, moi, là, quand on te fait signer des documents que tu n'as pas le droit de dire rien, là, ben, ça veut dire que... Puis sous prétexte que... Ben, c'est parce qu'on protège... On protège nos informations, puis t'es... C'est des menteurs. C'est des voleurs. Non. 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 BAS, là, celui qui non. Non, non, non. Eux autres, c'est un groupe qui était dans le milieu il y a longtemps, dans le temps de la Bourse de Montréal, puis ils ont une grosse équipe de vente, puis ils vendent bien, bien cher, puis regarde, la majorité du monde que j'ai vu qui m'ont en parlé, parce que les gens me le disent pareil, mais j'ai pas le droit de révéler mes sources. Je suis comme un journaliste, moi. Quelqu'un qui me dit, oui, j'ai suivi un cours-là, puis je te dis, c'était de la merde, là. Bon, ben, moi, je ne vais pas le dénoncer, là. Je veux dire, je ne vais pas le dénoncer, mais je le sais, puis je le comprends. Fait que, mais je marche sur des œufs. C'est pas là pour. Moi, je ne veux pas faire ma réputation. Je ne veux pas me mettre sur un piédestal en descendant les autres, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. À César, OK? Il y a des imposteurs dans le milieu, puis c'est à vous de juger c'est qui vend la meilleure information, c'est qui se donne le plus, c'est qui vous montre les choses seul dans la réalité des choses. C'est facile de vendre du rêve, là. C'est facile de dire à quelqu'un, « Oh, mon cours coûte 4 000 ouais, mais moi, j'ai 10 000 de portefeuille. C'est pas grave. Le premier mois, tu vas regagner ton argent. Tu sais, moi, là, quand quelqu'un dit des affaires de même, là, ça me met tellement fusil, là. Ouais, lui, c'est mon ancien employé. Est-ce que votre barre de tableau de 10 titres sur plusieurs secteurs sera aussi déjà installée dans tes ressources? Ben oui! Ben oui! Pas rien que celle-là, toutes. Oups, là, le marché chute, là, présentement. Non, mais regarde, toutes les barres. Regarde, là, j'ai pas le temps de toutes vous les montrer, là. Regarde, je vais juste enlever le graphique, là, deux secondes, là. OK? Regarde, 4 marchés. Les secteurs américains, le secteur canadien, les FNB de marché, les FNB, les FNB de secteur US, le Q12, les 12 plus grosses technologies, les ressources. 1, 2, 3, ça c'est comme que je veux juste avoir un graphique à l'écran. J'ai besoin de voir quelque chose là à très court terme. Je clique là. Je n'ai plus besoin. Quand je clique sur l'autre, là, lui il disparaît, l'autre apparaît. Fait que, tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir 14 écrans. Fait que, ça c'est mes stocks de day trade. Des fois, ça me prend 2 tableaux. Il y en a un puis 2. Mais ils sont là. Fait
Fait que, ils sont là pour vous aussi. Les infectieuses, les véhicules électriques, composants électriques, les énergies non renouvelables, les aériennes, les récréationnels, le pot, les bitcoins et les blockchains, le lithium et le graphite, l'or, l'argent, les pétroles, l'uranium, les mines, consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, industriels, l'immobilier, services aux collectivités, la santé, les NFT, puis mon fameux secteur mélangé. Ça, celui-là, ça, il va tout le temps être là. Fait qu'ils sont tous là, OK? Puis là, vous allez avoir la base hyper importante. Vous pouvez vous en créer d'autres. Mais regarde, t'en crées un ici, là, mettons, OK, regarde, tu te mets ça là, là. Et j'en crée un, mettons, un nouveau de 12, là. Bien, regarde, il est là. Je le mets à côté. Là, je m'en vais quelque part dans mon logiciel, mettons, je fais un scan, là, regardez ça. Je vais faire un scan des stocks qui bougent le plus depuis l'ouverture. Là, regarde, Nasdaq, là, mettons, regarde, je fais ça, OK? Là, je regarde ça, puis je dis, c'est plate ce que j'ai trouvé là. Attends un peu, je vais commencer le scan, les stocks sont poches au bout. Gagnant, nanana, en pourcent. Bon, je vais faire en dollars, mais il n'y a rien qui monte, c'est ça l'affaire? Hey! Bon, fait que là, regarde, j'arrive, je dis, OK, je mets lui dans ce tableau-là, je mets le deuxième ici, je m'en vais, je mets le troisième, tu fais le draguer à côté, c'est facile, tu fais un scan, tu trouves les affaires, tu dragues tes affaires, puis regarde, ils apparaissent tous dans le tableau ici. Puis là, quand tu sais pour sortir, il dit, hey, tu as changé un modèle. Bien, c'est quoi que tu veux qu'il apparaisse dans le bord en haut, puis c'est quoi la description que tu veux lui donner? Go, go, go! Puis c'est fini. Puis il va être créé. C'est super facile. Mais il arrive. Parce que c'est l'ouvrage de bâtir ça là, pour quelqu'un qui ne sait pas combien de modèles, sur quel secteur, c'est quel stock que je mets dedans. C'est des années d'expérience qu'il y a dedans. Mais il arrive déjà avec 30 ans d'expérience, le logiciel. Après ça, bien là, quand tu suis à vert, tu n'as rien qu'à cliquer sur des pitons. Parce que la job, c'est pas de travailler, c'est de trader. C'est de prendre des décisions. Noël? Bien, j'ai engagé ce gars-là, il avait 18 ans. OK, Noël? Boyle, prochain pro-chain. J'ai rien contre. Mais c'est pas Michel Carignan. Moi, je vends pas des cours en canne. Moi, je vends des affaires qui existent. Là. Moi, je suis pas là, je mets ça là, puis ça va rapporter de l'argent pendant des années. Je suis là, moi, tous les jours. J'envoie pas un tweet sur Twitter de temps en temps, puis un petit message sur Facebook. Je suis présent 4 heures par jour. Puis je fournis tous mes produits avec. BAS, la réponse, c'est que il a tout appris de moi. Il a tout appris de moi. Ouais, MUR. Tu as toute raison. Stéphane, je ne connais même pas le gars que tu parles. C'est un autre parvenu qui est arrivé, donc on ne sait pas où. CTC.A. Mais regarde, c'est moi qui ai fait connaître l'analyse technique au Québec. Décision Plus, c'est la seule compagnie qui a des logiciels en français, premièrement en Amérique du Nord. On est les seuls logiciels canadiens. On est les seuls logiciels qui font ce qu'ils font. On est les seuls, la seule compagnie à faire des émissions en direct. On est la seule compagnie qui fait autant d'éducation que nous autres. Les autres sont dus du fait que, regarde, fais ça, donne-moi des milliers de dollars, puis le reste de l'année, m'a t'envoyé de l'information. Hey, nous autres, là, il n'y a personne qui est capable d'offrir un suivi comme nous autres on fait sur Décision Plus et sur Gourou.tv. Canadian Tire, prix d'achat. Bon, attention, là, le marché est en train de planter, là, on regardait ça tantôt, là. CTC.A, regarde, en pleine correction, Canadian Tire. C'est pas de suite, OK? Pas de suite. Roger B. dit, oui, ça fait longtemps que tu es en affaires. J'ai gradué à l'UQAM en 85 et tu étais là au Salon d'épargne placement et tu étais le seul exposant pour l'analyse technique. Continue ton bon travail. Bien, regarde, on m'a traité de toutes sortes, on m'a donné toutes sortes de noms. On m'a dit que j'étais le père Ambroise de la bourse. On m'a dit que j'étais le père de la bourse. On m'a dit toutes sortes d'affaires dans ma vie. Mais vous savez, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans. Décision Plus, c'est 1987, là. 34, mettons. 1987. Puis, depuis la COVID, avant, j'étais en onde plusieurs fois par jour, mais c'était des plus petites émissions. Depuis 2 ans, j'étais en onde 4 heures par jour.
Fait que, il n'y a personne qui en a fait plus que nous autres pour les investisseurs, il n'y a personne qui en connaît plus que nous autres, il n'y a personne qui offre des produits comme nous autres, il n'y a personne qui donne autant de support que nous autres. Ben là, pas gêné de vendre ma salade, là, j'ai pas honte, j'ai pas à avoir honte de faire ça pantoute, là. OK? Mais là, un petit coup d'œil sur le marché, là. Un petit drink avant de partir, comme il disait dans l'annonce. Ouais. Fait qu'on est revenu en bas, puis un petit peu plus bas, mais regarde, c'est un marché qui n'a pas de nouvelles. Il n'y a pas d'information qui est sortie. Il n'y a personne qui en a parlé non plus. C'est juste que... Je pense... Regarde, le matin, les marchés partent en hausse, là. C'était un peu ridicule, je l'ai dit à l'ouverture. Hey, là, regarde, là, tabarnouche, regarde. Ça va être des prises de profit, puis ça va descendre. C'est ça que je disais le matin. Mais je continue à vous dire, on va finir par en avoir une sur la gueule. Fait que... Préparez-vous à embarquer dans les ressources pour débarquer dans le reste, puis à shorter, puis à acheter des FNB baissiers. On est sur le point qui va... Regarde, c'est pas par en bas, ça va être par en haut. Mais là, dans les 72 prochaines heures, dans les 3 prochaines journées, il va se passer de quoi, là? Sinon, je pars en vacances en Floride. Ça veut dire en Floride, je vais être dû pour prendre des vacances. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Décision plus à la même âge que moi. Il est né en 87, ça veut dire que tu as 34 ans. Ouais, moi, malheureusement, j'ai le double de ton âge, 68 ans. Parce que j'avais 33 ans, j'avais l'âge du Christ quand j'ai parti décision plus. J'ai parti décision plus, j'avais 33 ans. Puis là, toi, tu as 33, 34, puis moi, j'ai 68. Deux fois ton âge. Fait que dis-toi que depuis que tu es au monde, je fais ça. Quand même. Excusez. Mais c'est 40 minutes. J'ai pas déjeuné, j'ai pas dîné. Fait que je vais aller manger quelque chose, puis je reviens à 14 heures. Bon, j'espère que ça va pas arriver encore pendant que je suis pas là, là. On dirait que c'est ça qui va arriver, mais normalement, j'aurais dû être parti, moi, une heure, moins quart. Mais je m'emballe, puis je me laisse aller, puis on dirait que je suis pas capable d'arrêter le show si j'ai pas répondu à toutes les questions. Bon après-midi. On se revoit tantôt. Là, j'ai faim, là. À tantôt. Sur décisionplus.com, sur gourou.tv, par exemple, parce que là, on est sur décisionplus.com, dans le show public, mais on revient sur Gourou, qui est grand débrouillé encore. Salut, à tantôt.